Coucou, bonsoir d'ailleurs. À la vôtre. Une petite musique lounge pour vous faire patienter avant de commencer le live. Voilà, d'ici 2 petites minutes, le temps de laisser tout le monde finir de d'avaler les faillots ou l'omelette pour certains ou la soupe pour d'autres. Ah, t'as toujours pas changé ton prénom. Bon début de week-end. Et ce soir, n'oubliez pas, c'est Koh-Lanta. On va attaquer la finale là. On va attaquer la course d'orientation. Et puis la semaine prochaine, ce sera la finale. Salut Nelly, salut Jean-Marc. Ah non, fini la tisane. Et là, c'est vendredi, là, on peut attaquer du lourd. Salut Gilles Gilou. Toi aussi, t'as le rouge qui tache. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et puis. Gilles Gilou, est-ce que c'est fluide chez toi le son, tout ça, l'image? Salut Sophie, salut Seb. Bon, Sophie et Seb, c'est fluide parce que vous avez la fibre, vous, donc vous c'est. Salut Skadjess. Je sais pas qui tu es, Skadjess, mais en tout cas, merci à toi de venir. Et puis, ça va commencer d'ici quelques minutes, t'inquiète. Est-ce qu'on se connaît dans la vraie vie? Salut Close. Bon, nous, on se connaît dans la vraie vie. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à inviter. Ah oui, puis alors, ce soir, je vais vous faire une petite motivation. Bah, la personne qui m'invite 10 personnes sur la chaîne et la personne, elle cite son nom, et ben, elle gagne un petit CD. Elle mettra son adresse. Je vais vous mettre mon adresse mail et vous m'envoyez votre mail et puis. Je dirai le nom du vainqueur ce soir et vous recevrez un CD dans votre adresse. Voilà, donc ma adresse c'est grattedelapatte@free.fr. Voilà. Oui, tu as le droit de jouer aussi, il n'y a pas de souci, mais tu triches pas. Salut Soso, et donc celui qui me ramène 10 personnes et que là. Et qu'au comptage, ben, elle cite votre nom 10 fois. Enfin, que 10 personnes citent votre prénom et vous remportez un petit CD. Voilà, pour vous récompenser de votre fidélité. C'est normal. Voilà, donc n'hésitez pas. Ben, le challenge, c'est vous ramener 10 personnes sur la chaîne, sur le live. Et la personne qui arrive, elle dit « Salut, je viens de la part de Intel. » Et il faut qu'il y en ait 10 qui viennent de votre part. Et voilà. Et changez pas de pseudo là, je vous vois venir. Voilà. Bon ben, comme je disais tout à l'heure, nous il nous tarde de. C'est vendredi soir et vendredi soir c'est Koh-Lanta. Voilà, ça. On va se détendre parce que la semaine chargée. Moi il me tarde que d'une chanson, c'est aller à l'hôpital pour me reposer. Après, ça sera un repos d'une journée. Bon, c'est cool. Je vous ai prévu 4 petites chansons bien sympas. Pascal et Valérie sont dans la place. Pascal et Valérie. Pascal et Valérie. Pascal. Attends, ça va me remonter. Pascal et Valérie. Ah ben oui, l'Aveyron. L'Aveyron, c'est ça? Comment allez-vous? On est content que vous soyez là. C'est cool.
Ah là oui, Jess, Jessica. Non. Bon. Ouais, trop content de vous revoir. Mais on est content de vous voir tous, à toute manière. Tout le monde. Bon, c'est cool. Donc, en fait... ouais, je crois qu'il y a un bug sur le chat, parce que en fait, il n'y a pas le nombre de personnes... Il n'y a pas le nombre... Il n'est pas là, Mathieu. Il va regarder peut-être l'émission en replay direct. Ou en direct replay, je sais pas comment il fait. Il va dire, ouais, tu commences. Alors, ça sera mardi prochain. Mais bon, il est énorme, Mathieu. Franchement, Mathieu, on t'envoie plein de bisous. Mais ils vont pas loin, ils vont juste à côté. Bon, allez, un petit coup à tout le monde. Bonne santé. Eh bien, on va y aller tranquille. Hein. Donc, petit programme. Ah non, j'ai pas vu cette jambe bis. Elle est pas là. Il manque des gens là. Qui sont là d'habitude. Il n'y a pas Lolo. Elle est pas là, Lolo. Il n'y a pas. Il n'y a pas Ekan. Elle est où Ekan? Et quand elle vient? Bon, je patiente encore deux petites minutes, c'est vendredi. Si, non, mais pas toi, Sophie. Et Seb, qui vous aussi, vous êtes de cette gemme, de la brousse. Non, je parle des autres, vos voisins. Vous savez, ceux qui patinent à... mais connecte-toi, je te dis. Mais t'as pas mis la 4G. Mais je sais pas, on dirait que le chat il bug. On dirait, hein. Mais. I'm not sure. Bon. Mais en tout cas. Oui, voilà. La mamie. Ok, et eh ben en avant gagnant. Un. Ah ben oui. Je disais, mais c'est bizarre, j'entends rien. Ça va, est-ce que le son pour tout le monde est bon? Est-ce que ça frise pas, ça lague pas? Ça se trouvait, Madame Ekan, elle n'a pas réussi à se connecter. Mince, ça fait... Ça tourne. Ah, t'es en voiture? Oh, tu nous fais un replay voiture. Génial. Non, pas un replay. C'est Mathieu qui fait des replays. Ah, tu conduis pas, mais tu t'es arrêté pour regarder le live. Enfin non, c'est un replay, mais bon, pour Mathieu, on va dire que c'est un live. Hey. Un petit lapin qui s'appelait Poupine avait rendez-vous avec sa poupinette. Ses parents voulaient pas qu'elle devienne sa copine, parce qu'en fait, Poupinette, c'était une belette. Thierry le chasseur, et comme tous les chasseurs, il est con. Il est con. Tant d'aller chasser, il aime les fleurs, connaît la forêt par cœur, il est con. Il est con. Centré sur son gibier, Poupine le lapin papouille l'arrière-train de Poupinette qui s'écrie, oh vas-y fais-moi mal, ça réveille Bernadette. Bernadette la vieille chouette qui bondit, une belette, un lapin c'est pas normal. Thierry le chasseur n'est pas un gros bourrin puisqu'il est con. Il est con. Fort mal à tradition, si il écrase des fleurs c'est à cause de son tout terrain puisqu'il est con. Il est con. Ducteur attention petit lapin, derrière toi, c'est toute la forêt qui commence à s'ébranler. Prévenu par la chouette, voilà le papa de ta poupinette qui vient te coller une branlée. Thierry le chasseur a eu une grosse salue puisqu'il est con. Il est con. Vaincu d'avoir vu une belette coller un pain à un tout petit lapin, il est con. Il est con. Tarié d'avoir pas pu sortir son fusil pour se payer une grosse boucherie puisqu'il est convoqué au commando spécial de son parti pour aller jeter des œufs pourris sur les congressistes écolos. Voilà. Voilà, ça c'était spécial Ekan. Je sais qu'elle adore cette chanson, donc c'était pour elle hein, que je l'avais faite. Hein.
Et salut Montpellier. C'est un duo, tout à fait, c'est un duo. Vous voyez qu'elle chante ma choriste. Bon, après, voilà, faut, hein, on tranquille. Hein, Non, mais on en fera, on en, promis, on en fera. Quand ça ira mieux, enfin, quand elle ira mieux, on en fera une. Ah, ça a coupé. Comment ça a coupé? C'est quoi qui a coupé? Il n'y a rien qui a coupé, là. Il y a tout qui marche bien, là. Ah. Ok. Next one. Next one. Là, on va plus dans... On va plus... Oui, oui, elle est derrière, là-bas. Elle essaye de s'incruster, mais je donne des coups de pied. Ah, dégage. Ok, prochaine chanson. Prochaine chanson, c'est vraiment une magnifique chanson. Donc, il fallait la refaire. Donc, je l'ai refaite. C'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuille de lune. L'amour, dont on parle toujours. L'amour, mais la nuit un bonnet. Et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, c'est parfois même aussi le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. L'amour dont on parle toujours. L'amour, c'est plus d'une fois un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur le cœur. L'amour, c'est quand je t'aime. L'amour, c'est quand tu m'aimes, sans me le dire, sans te le dire. L'amour, c'est quand tu m'aimes. L'amour, c'est quand je t'aime, sans te le dire, sans me le dire. Sans te le dire, sans
te le dire sans me le dire. C'était une chanson de Monsieur Mouloudi qui s'appelle L'amour, l'amour. Salut le vieux, ça va bien ou bien? Ça hoquette. Je pense que ma Castin 80, t'as dû toucher le câble sur le côté. Parce que chez nous, ça, il n'y a pas de coupure, hein, ça va impeccable. Il y a tout qui tourne bien là, pour une fois. Bon, j'espère qu'elle vous a plu cette chanson. Prochaine chanson. Là, c'est un répertoire. Là, on touche un peu plus le fond. Là, c'est pour. Mais bon, c'est de l'amour quand même. Hein. Elle a bon goût, la bouche des filles. Elle est pleine de joues, de temps et de papilles. On s'enroule dans leur palais. Elles ont bon goût, les filles et leur palais. Elle a bon goût, la peau des filles. De l'épaule aux genoux, des genoux aux chevilles. On croque dans la chair de leur fesse. Elles ont bon goût, les filles et leurs caresses. Il a bon goût, le cœur des filles. Malgré le flou qui souvent le maquille. On s'y love dans du velours. Elles ont bon goût, les filles et leur amour. Elle a pas de goût, l'absence des filles. Tous ces soirs où seul on se déshabille, où seul on cherche en vain, entre les draps, à retrouver le goût des filles qui n'y sont pas. Rien, mais ça coupe. À mon avis, il y a ton voisin qui s'est connecté sur ta connexion internet. Ah, ils sont là. Ils sont là, Sainte-Gemme bis. Ok, prochaine chanson. Bon, eh ben, nouveauté aussi, puisque Mouloudi c'était une nouveauté. Eh ben, là aussi, c'est une petite nouveauté aussi. Voilà. Féminin, on a toutes un côté masculin. On a tous des travers qu'on assume pas bien. Et pourtant je peux vous jurer qu'elle avait bien les yeux bleus, Olivier. On a tous un côté féminin. On a toutes un côté masculin. On a tous des travers qu'on assume pas bien. Et pourtant je peux vous jurer qu'elle avait bien les yeux bleus, Olivier. Et pourtant je peux vous jurer qu'elle avait bien les yeux bleus, Olivier.
féminin. On a toutes un côté masculin. On a tous des travers qu'on assume pas bien. Et pourtant je peux vous jurer qu'elle avait bien les yeux bleus, Olivier. Et pourtant je peux vous jurer qu'elle avait bien les yeux bleus, Olivier. Exactement, c'est Yann et les abeilles. Alors en fait, pour conclure cette petite soirée, je suis un fan du groupe Carpat. Et en fait, Carpat fait une chanson qui s'appelle « Fan de maman ». Il n'y a absolument rien de travers ni quoi que ce soit, mais « Fan de maman », en fait, et ben, c'est Yann et les abeilles qui l'a écrite. Voilà. Et à l'époque, et ben, Fred Rolla était le guitariste, choriste de Yann et les abeilles. Et il a monté après Carpat, le groupe Carpat avec un K et deux T à la fin. Voilà. Eh ben, content d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous donne rendez-vous demain. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur Koh-Lanta, sur la 1. Et ensuite, une bonne journée demain. Faites gaffe à vous. Portez le masque. Gardez les distances sociales. Surtout avec les cons. Et puis, régalez-vous. Voilà, on fait plein de bisous à tout le monde, tous les départements, on vous aime tous. L'Aveyron, le Tarn, la Haute-Garonne, le Gers, les Ariégeois, même s'ils sont... Bisous à tous. Ciao, ciao. Salut les amis. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Vous aime. Putain, je trouve plus le... Ah, il est là.